Paris, il est encore beaucoup plus haut. Ah, mais regarde la vue à l'arrière. Oui, c'est très joli. C'est plus haut que moi. Ah oui. C'est plus haut que le Sacré-Cœur. Remarque. Non, mais c'est plus haut que Montmartre. La vue de Montmartre. Et là c'est la rue de Ménilmontant. Et enfin, bref. C'est le point le plus haut, il est pas loin, pas très loin de Gambetta, de l'hôpital Tenon, là où on va aller. On n'a pas vu Monsieur Valentin passer. Hein? On n'a pas vu Monsieur Valentin. Monsieur Valentin? Valentin, Jean-Christian Valentin. Je sais pas qui c'est. C'est lui qui entre autres organise. C'est un des co-organisateurs de la manif. Et il a en général un chapeau bleu, blanc, rouge. Ah oui, oui, d'accord. Un chapeau de cowboy. Il est assez gros, il est assez grand, oui. Bah, normalement, il doit être à République, parce que j'ai vu que... À République? Il me semble. Mais c'est interdit ce soir, à République. Ah, c'est interdit? Oui, on l'a interdit. Ah, d'accord. Ils n'ont pas dit quelle raison, mais bon... Ah non, ils l'ont interdit, c'était... Ils ne veulent plus peut-être qu'on aille sur les grandes places. Ils ont peut-être plus de personnel pour ça aussi. Pour si, comment ça interdire le samedi soir à Valentin? C'est parce que la police est fatiguée. Elle est fatiguée. Apparemment, il y a beaucoup de pompiers au carrefour, là. On a vu beaucoup de pompiers au lieu d'avoir des policiers. Et là. Ah, c'est vrai qu'on a une vue quand même. Oui, regarde la vue. En arrière. Ouais.
ça monte. Hein. Et là, on va arriver. Alors, je ne sais pas si on descend tout de suite là. Sur, Ouais, ça grimpe. On en a salué quelques-uns comme ça, puis quelques-uns nous ont répondu. Il ne faut pas trop en demander aux Parisiens. Je suis vraiment désolé que les gens ne soient pas autant mobilisés. Les Parisiens ne sont pas mobilisés depuis le début. Ouais. Et puis, depuis le début, en tout cas le 17 novembre. Et puis. Les violences policières, tout ça, tout ce qui se passe. Oui, d'accord, mais quand même. François Ruffin, je pense une semaine après le 17 novembre, il a dit, il a senti, il dit je sens que les Parisiens ne se mobilisent pas assez. Il a dit ça, et il avait raison. Alors, le droit à la retraite, c'est repoussé à 62 ans. Le droit à la retraite. Là, je suis de Paris. Ah, mon toi, tu étais mon frère. Et le droit au départ à la retraite. On est là. Ah oh, Anne. On est là. Marc. On est là. Marc. À Marc. On soutient avec le comité de safety. On est à peu près au centre de mouvement, à peu près. On a à peu près toute la relation de tous les côtés. Nous, on connaît un peu Jean-Christian Valentin. Pas ça. Toi, il reconnaît ça, Jean-Christian Valentin. Voilà. Tu vois les vieux déclarants, tu vois tout le monde. Donc lui, Patrick, et puis l'aile gauche du mouvement par lui et l'aile droite du mouvement il n'est pas là mais c'est ce que tu disais ce matin. Le staff général de tous les étudiants n'est pas loin. Là c'est ça officiel mais il n'est pas loin, le vrai conseil. Je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est un faux secret. Mais c'est ça quoi. Moi d'un coup je vais aller pour plus. Ça marche pas trop vite pour une fois. Pour non, une fois. Ouais, pas trop vite. Ça monte un peu, quoi. Pour moi, ça monte un peu. Si M. Valentin avait été au-devant, on aurait marché beaucoup plus vite. Ah. Il marche très vite. Oui, mais il fait des allers-retours. Il faut partir des gilets jaunes. C'est pour déclarer. Ça fait rien. Nous, mais pas du tout. Ah, c'est Castaner-Menteur, ok. Ben oui, je le voyais de loin. Castaner-Menteur, je suis là.